Et salut à tous, allez c'est parti, tout de suite on va attaquer donc un petit peu de maçonnerie, toujours sur le chantier d'Antoine, on va essayer d'avancer, mais je vous montre d'abord tout ce qu'on va venir réaliser, et puis après on attaque. Tout de suite on va venir casser cette ancienne dalle béton pour pouvoir réaliser de nouvelles fondations qui seront bien plus solides, sur lesquelles on viendra reposer un futur pilier, qui viendra tout simplement soutenir donc un sous-plafond, qui sera en dessous l'ancien plafond, surtout une question de désolarisation. Désolidarisation. Et que les vibrations transmises par le futur potentiel locataire qui se trouvera juste au-dessus ne seront pas transmises en dessous. Voilà, pour ceux qui voudraient un petit peu plus d'informations sur l'isolation phonique entre deux appartements pour pouvoir désolariser, je vous renvoie sur la vidéo que j'avais réalisée il y a un petit moment déjà. Et j'en profite également pour remercier la marque Evolution Power Tool de m'avoir fait parvenir cette machine, mais également de leur confiance. Alors bien sûr, je mettrai un lien en description et je vous affiche un petit code promo juste ici si vous voulez aller voir un petit peu ce qu'ils proposent. C'est vrai que jusqu'à là, je vais être complètement honnête avec vous, je ne connaissais pas cette marque, mais d'un premier abord, après avoir reçu ce premier matériel, c'est vrai que je suis assez étonné en tout cas de la qualité perçue du produit. Maintenant, on verra lors de son utilisation. Moi, ce que je veux, c'est que ça fasse complètement le job. Après, la tronche que ça a, ça, c'est un autre détail. Mais bon, tout de suite, on va la démarrer, on va essayer ça, on va couper cette fondation avec. L'avantage, c'est qu'on est sur un 10 de 300 mm, donc sur une profondeur de coupe bien plus conséquente que sur les petites disqueuses qu'on peut retrouver dans le commerce. Donc, on va voir ce que ça vaut et ce que ça va donner pour notre petite dalle béton. Et vous inquiétez pas, j'ai bien lu vos derniers commentaires. Et ce coup-ci, je vais bien m'équiper. Mes poumons, en tout cas, m'en remercieront. Surtout que je pense que ça va cracher pas mal de poussière. Bon, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La bonne nouvelle, la machine coupe plutôt bien, ça rentre vraiment comme dans du beurre. Après, c'est vraiment physique, elle pèse assez lourd, je dirais une quinzaine de kilos. Donc c'est vrai qu'à manipuler, ça reste assez compliqué. Maintenant, ça coupe quand même très très bien. Néanmoins, je viens de mettre quelques coups de masse donc sur la dalle que je viens de couper. Donc j'ai coupé ce gros carré, je me suis dit qu'en mettant simplement quelques coups de masse, il devrait donc bouger facilement et je pourrais l'enlever. En réalité, ça n'est pas aussi simple. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc continuer à le disquer pour le fragiliser, à savoir faire des plus petites portions, des plus petits carrés. Donc tout finir de disquer ça correctement et après normalement à la masse, je devrais réussir à enlever morceau par morceau. Bon, on se retrouve le lendemain maintenant que la poussière est redescendue, même si on va bientôt en refaire. Antoine, quant à lui, a bien avancé. Il est venu réaliser toute une structure en métal qui ira directement dans notre fondation pour pouvoir donc renforcer tout ça. Je vais vous la filmer un petit peu plus près, on va la finir. Et puis après, on viendra la couler directement donc dans notre sol. Maintenant, il reste quand même tout le béton à exploser pour pouvoir l'incruster et sortir soit la terre, soit le gravier, soit le remblai. On verra ce qu'on y trouvera dessous. N'est-ce pas? Ouais. Normalement, ça devrait pas bouger. Hein? Normalement, ça devrait pas bouger. Ouais, non, si ça bouge, je comprends pas, je démissionne.
Bon, on vient de positionner notre structure en métal, du coup il faut légèrement qu'on agrandisse le carré qu'on avait déjà commencé à faire. Donc là Antoine va pouvoir justement essayer la petite machine qu'on a reçue et me donner son avis. Alors moi je suis assez étonné, c'est vrai que j'aurais préféré la recevoir un petit peu plus tôt car elle nous aurait été bien utile sur d'autres chantiers qu'on a pu avoir juste auparavant. Mais bon, c'est pas grave, en tout cas pour l'instant j'en suis plutôt satisfait, ça rentre comme dans du beurre. Et tout de suite donc on finit de disquer tout ça, faire encore des petites rainures dans tous les sens pour fragiliser au maximum le béton. Et en tapant dessus, normalement on devrait commencer à arriver à l'avoir. Alors qu'est-ce que t'en penses en toute honnêteté? Franchement pas mal hein. Et puis pour une fondation franchement tu te fais moins chier avec les roulettes. Ah, avec le petit système de roulettes qu'ils ont mis juste en dessous, c'est vrai que c'est bien pratique hein. Ouais. Pour la faire glisser, tu forces pas trop. Heureusement parce que sinon elle pèse assez lourd. Ça fait pas mal au dos, ça fait pas mal aux jambes et tout par rapport à l'autre disqueuse. Par rapport aux petites disqueuses du commerce, c'est vrai qu'ici bah t'en as eu pas mal des fondations à couper, t'as eu énormément de choses à faire comme ça. C'est vrai qu'on l'aurait eu plus tôt, ça nous aurait été d'un grand secours. Bon, en attendant que la poussière retombe, j'en profite pour vous montrer l'avancement de la toiture d'Antoine. Alors comme vous pouvez le constater, son film sous toiture est installé, les petits litos juste au-dessus également. Il a installé son premier Velux et là sa toute première plaque d'Ivrite va être bientôt posée. Bon, maintenant que c'est disqué vraiment de part en part dans tous les sens, on va essayer de faire tomber tout ça. Donc je vais y aller dans un premier temps à la masse et puis j'irai au perfo pour finir. Pour conclure en tout cas avec cette petite machine de Evolution Power Tool, donc je les remercie encore énormément. Franchement, ça m'a fait gagner un temps, je pense, considérable. Voilà ce que ça donne après plusieurs heures à avoir creusé. Donc juste ici, on s'aperçoit de l'épaisseur de la dalle de béton qui était bien plus épaisse que ce que je pensais. Également, elle était ferraillée. Donc là, il me reste encore pas mal à creuser pour pouvoir loger donc notre future structure métallique qu'on viendra couler par la suite. Et pendant que je suis en train de réaliser le trou, là-haut, ça bosse quand même si vous ne les voyez pas trop. Je vous garantis que ça essaie d'avancer un maximum. Hier, ils sont venus monter justement les futurs IPN qui nous serviront pour le futur mur porteur. Et là, les futurs hybrides qui vont aller sur le toit. Mais en attendant, il y a pas mal quand même de manutention pour pouvoir les monter et les faire parvenir jusqu'en haut. Et puis moi, je suis trop occupé à filmer plutôt qu'à les aider. C'est vrai. Attends, tu es en train de m'expliquer et devant la terre entière, hein? Alors bon, la terre entière ne regarde pas mes vidéos. Mec, je regardais pas là. Non, toi, tu regardais cette eau-là. Mais moi, quand je disais pour 5000 euros, tu m'as dit oui. Pour 5000 euros, tu bois ça? Non, allez, 5099, je le fais là. Non, mais vraiment, pour 5000 balles, un verre, un bon petit verre de cantine avec les morceaux et tout à la paille, tu ouais. Le bois, même si la paille se bouche un peu, tu. Avec mes dents, je dégomme. Tu fais filtre? Ouais. Mais faut manger après, hein? Ouais, je croque même. Ok. Nice.
Mais après avoir fait plusieurs heures de pioche et de pelle à évacuer toute cette terre, je suis obligé de penser à ces vidéos où certains indiens avec juste un morceau de bambou arrivent à creuser des piscines entières ou des petits villages. Alors je sais pas si vous voyez de quoi je parle, mais ce genre de vidéo m'a toujours autant impressionné. Et quand moi j'ai du mal à creuser un trou de 60 cm sur 1 mètre carré, j'ose pas imaginer le temps que ça doit leur prendre avec leur petit morceau de bambou pour creuser ça. Mais bon, petite parenthèse et tout de suite on reprend, on va chercher le sable et on va s'occuper de tout ça. On vient de récupérer notre sable, la bétonnière a été mise en place. Ce qu'on a fait, c'est qu'on l'a mis juste à côté de notre future fondation. Comme ça, on va pouvoir directement la charger et renverser aussitôt et au fur et à mesure notre béton. Qu'est-ce que t'en dis, mon petit Antoine ? C'est très bien. Explique-nous, qu'est-ce que c'est la recette pour un béton réussi ? Un peu de sable, un peu de ciment et un peu d'eau, c'est très bien. Au nez ? Au nez. Au nez. Bon, et voilà, les fondations de ce futur pilier sont enfin coulées, donc c'est plutôt idiot de se dire qu'on a quand même creusé un trou pour le reboucher par la suite, mais bon, c'est ce qu'il fallait pour pouvoir monter ce futur pilier. Donc dans un prochain temps, on viendra monter les boisseaux sur lesquels se trouve Julien. Également, la prochaine vidéo, ça sera la visite de l'immeuble de Julien qui nous présentera donc ce qu'il prévoit de réaliser dans celui-ci, donc pas mal de travaux. Il nous montrera tout ça, donc des vidéos comme j'avais l'habitude de réaliser avant sur la chaîne. Ça va revenir de toute façon. Et j'en profite également pour remercier encore une fois la marque Evolution Power Tool de m'avoir fait parvenir une machine, mais c'est surtout encore vous que je remercie, car c'est grâce à vous, mine de rien, qu'à l'heure actuelle, certaines marques me contactent et que je peux avoir ce type de matériel. Donc je vous remercie de vous abonner, de liker, de continuer à commenter, ça me soutient énormément, donc n'hésitez pas à le faire si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et surtout, je vous dis à une prochaine vidéo.